qu'est-ce que c'est que cette femme qui décide finalement de rester, ou qui reste nue toute la pièce? La question que je me suis posée quand j'ai voulu monter mais ne te prête pas toute nue, c'est comment ça se fait qu'elle reste en déshabillée et qu'est-ce que c'est que cette image de déshabillée? La thématique centrale pour moi dans la pièce de Feydeau, c'est la quête de réussite du mari. Dans une ambition de pouvoir se présenter aux élections, sa femme travaille pour lui, elle le dit, elle le représente, il ne la respecte pas et elle décide finalement de rester nue ou déshabillée, ou en tout cas de provoquer. Par l'espièglerie, par la fantaisie, mais une vraie provocation et peut-être un jeu de massacre. Feydeau, à la fin du 19e siècle, c'est un moment assez charnière où c'est les premiers suffragettes, etc., et un mouvement des premières, finalement, révolutions féministes. Noraine, c'est un autre moment après les années 70 où, en effet, il y a une autre étape. Et avec Virginie Despentes, il y a aussi tout le MeToo, etc., qui s'enchaîne. Et c'était aussi pour mettre en perspective et en miroir ces époques. Qu'est-ce qui a été modifié? Évidemment, il y a des lois, des droits qui ont évolué, et en même temps, il y a des fonctionnements qui restent. D'où ils viennent? Comment ça se fait? Ce qui est intéressant quand on compare Noraine et Feydeau, c'est qu'ils ont des systèmes d'écriture assez bouclés, avec des punchlines qui sont assez assassines et assez fantastiques et drôles, et que ces personnages tournent en rond. Cette quête de réussite des hommes dans la pièce, qui sont tous dans ce combat de coq, a quelque chose de dérisoire et d'assez, finalement, burlesque. Et on l'a traité vraiment de manière burlesque aussi, sur cette répétition, sur ces boucles. Et j'ai amplifié ça avec la présence d'une batterie où ça tourne en rond. En fait, où ils sont en train de tourner toujours autour de cette batterie. Leur besoin de gagner l'autre tourne en rond. C'est un combat complètement burlesque. C'est presque névrotique, leur quête de réussite. Et chaque espace extérieur de la pièce centrale est potentiellement toujours visible parce qu'il y a toujours un journaliste qui filme ou quelqu'un qui est toujours présent et qui fait qu'elle n'a aucun espace d'intimité pour se réfugier de cette question de la représentation. La femme dans la pièce, pour moi, elle est une résistante, mais elle ne rentre pas en résistante par du conflit, elle rentre en résistance par de l'inventivité. Elle cherche de différentes manières de rentrer au plateau, elle cherche différentes manières d'attirer l'attention sur elle et que sa question à elle soit primordiale. Et elle va toujours de plus en plus loin en mettant un désordre total sur le plateau. Ben, elle existe, elle prend sa place, au final, elle finit sur le plateau. Et voilà, c'est cette question-là. C'est comment on aborderait une question féministe sans être dans un conflit frontal, mais d'être avec la force de l'humour et de l'espièglerie.